À l'aube de la nouvelle année scolaire en Côte d'Ivoire, une effervescence particulière anime les rues d'Abidjan. Comment les parents d'élèves ivoiriens appréhendent-ils la rentrée scolaire 2024-2025? Nous avons recueilli leurs propos au cœur de la capitale économique ivoirienne. La rentrée est déjà préparée. C'est-à-dire, trois mois avant la rentrée, coudre les habits et autres, pour ne pas que la rentrée te surprenne. Déjà acheté les fournitures. Les enfants peuvent coudre leurs kakis et leurs robes. Tout ça. Là, c'est d'avoir déjà la liste des fournitures. Certains fonds sont déjà réservés à cet effet. D'accord. Sur la base de ces listes-là, on pourra effectuer les paiements. Je prépare solennellement la rentrée, je dirais, parce que vraiment, mes enfants sont préparés pour m'envoyer les cours de maquasse. La situation est un peu difficile, mais vraiment, on fait avec. Actuellement, financièrement, c'est difficile pour tous les parents. Vraiment difficile. Et surtout, les établissements demandent maintenant qu'on fait les versements par la banque. Ça devient un peu compliqué. Alors que quand c'est à l'école, on peut négocier pour payer en tranche et tout ça. Le 9 septembre, c'est un peu tôt pour nous autres. Voilà. Nous qui travaillons dans l'informel, c'est un peu tôt pour nous. Et pour ceux qui sont... qui travaille à la fonction publique, bon, c'est pas trop compliqué. C'est plutôt aux parents de veiller à ce que cette dernière semaine, les enfants commencent par s'habituer au rythme de l'école. Qu'on ne laisse plus les enfants dormir jusqu'à 9h, 10h, mais déjà à 7h, qu'on puisse les réveiller, les exercer à de la lecture, à de petits travaux jusqu'à midi, avant de les laisser continuer peut-être pour les amusements, les jeux. Il faut qu'ils considèrent le sacrifice que font leurs parents. Malgré les temps difficiles, ils font des efforts pour leur assurer un bon avenir. Ils pensent beaucoup à leurs parents qui font des efforts surhumains pour les scolariser. Ils ont eu suffisamment de temps de se reposer. Il est l'heure maintenant de prendre les sacs d'aller à l'école. Je pense qu'il faut enlever toutes les toiles d'araignée qui sont déjà sur le, voilà, sur, au niveau du cerveau et reprendre les cahiers, commencer par faire les révisions. Je pense que le concours des deux, je pense que ça va faire que l'année scolaire, n'est-ce pas, 2024-2025 sera une réussite.